Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba, quiero la Sancho por la salsa. Yes, sir. Yes, sir. Reunirá por un otro unboxing de l'horreur. Ouais. Hein? Unboxing de l'horreur parce que c'est une boîte d'octobre, mais le thème est vraiment pas d'horreur. On y reviendra. Et on est là pour un autre unboxing, celui de la... La Marvel Collector's Corps. Oh yes. Sous le thème de... Thor Ragnarok. Oh yeah. Oh yeah. Comme vous voyez, le thème est Thor Ragnarok parce que le film, au moment où vous verrez cet unboxing, le film sera déjà sûrement sorti. Pas un thème d'horreur, d'Halloween. Non, c'est straight le film. La boîte est beaucoup plus petite que celle où on a l'habitude. Par contre, je trouve que c'est un parfait format. Le seul souci est que je doute qu'un comic puisse rentrer dedans. Par rapport à la taille, le comic c'est largement plus long. Ça fait quoi? 3 boîtes? La troisième boîte, Funko, qu'on reçoit pas de comic dedans? Alors qu'on parle bien de Marvel et DC, leur fond de commerce est carrément des comics. On peut voir sur le dessus, Hela. J'ai très hâte de la voir dans le film. C'est incroyable. Mais bon. Ne tardons plus, on va procéder tout de suite à l'unboxing de la Marvel Collector's Corps du mois d'octobre 2017 avec le thème Thor Ragnarok. Comme à l'habitude, je vais vous montrer carrément l'intérieur avant de procéder à l'unboxing. Donc, j'ai un petit t-shirt. Ok, excellent. Je trouve ça nul qu'ils aient enlevé le patch et le pins. Ah, c'est même pas un t-shirt. Une tuque de Thor avec le design qu'il a sur le visage et le casque sur la tuque. Ouais, ça aurait pu être pire. Continuons. Des magnets. Thor Ragnarok. Les annexes sont quand même épais, puis c'est juste vraiment un imprimé sur un magnet. Donc, ouais. Oh non, c'est un fidget spinner. Un joint de stress. Donc, non, vraiment pas, non. La tuque, c'était borderline. Les aimants, c'était pas très fort. Ça, d'accord. Donc, est-ce qu'il reste autre chose? Ah oui. Aïe, 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 de mal en pire. Ouais. Sancho de mal en pire, c'est exactement ça. Des cartes à jouer, Thor Ragnarok. Je me demande quel est le pire entre des cartes à jouer et le fidget spinner. Je pense que les deux se valent. Le pins, bon. Là, d'accord. D'accord, c'est vraiment dommage que le patch soit plus là. Voilà, il reste de pop. Et oh, ok. C'est celle de Thor exclusive à la Collector's Corp, tel qu'on peut le voir dans le film, dans l'arène, carrément dans l'arène, c'est ça, il a son casque, son bouclier et sa nouvelle arme, que certains diront il ressemble à un tournevis. Oui, c'était pas nécessairement un pop que je voulais. Et l'autre, c'est Loki, tel qu'on peut le voir dans le film, avec son casque. Et ces deux poignards sont très détaillés. Par contre, ça, il faut que je leur donne. J'adore, pour vrai, vraiment très très belle. Mais encore une fois, c'était pas une pop que je serais allé chercher nécessairement. Et voilà, la boîte est vide. Mon article préféré, ce sera la Funko Pop de Thor. Mais sinon, ça aurait été une boîte très très faible. J'espère vraiment qu'ils vont se rattraper pour celle de décembre avec Hulk. Mais honnêtement, je m'attends pas vraiment quelque chose d'extraordinaire de cette boîte-là. On dirait vraiment une continuité de celle-ci. Mais bon, je veux savoir, vous, dites-moi dans les commentaires quel est l'article que vous avez le plus aimé de la box. J'allais presque oublier. Avec cet unboxing, nous lançons les inscriptions pour la Romero Box Marvel vs. DC. Villains Only. Je me permets de vous rappeler, on avait fait un vote déjà à savoir qu'est-ce que vous vouliez comme thème dans Marvel vs. DC. Vous aviez choisi majoritairement Villains. Ensuite, je vous ai demandé de quelle façon voulez-vous qu'on procède et la plupart m'avaient dit pas de jeu pour donner des chances égales à tout le monde. Je comprends que certains sont gênés de se montrer à la caméra, d'autres n'ont simplement pas le temps. Parfois même on a le temps de commencer et au cours de route, on manque de temps. Certains ont des enfants, d'autres des emplois qui nous demande plus de temps. Je comprends tout ça, donc j'ai décidé d'alterner les méthodes. Voilà, comme ça on donne des chances
plus ou moins à tout le monde. Pour celle-ci, je pense qu'on avait convenu payer 5$ canadiens ou 5€. Je sais que le taux de change, mais à 5$, la différence n'est pas tellement grande. Donc je me disais que ça devrait être correct pour tout le monde. J'ai pas eu beaucoup d'objections, donc c'est ce que nous ferons. J'alternerai, je sais pas encore de quelle façon, c'est une boîte sur deux ou une boîte sur trois, mais celle-ci, c'est ça. C'est pour vous inscrire, simplement envoyer 5$ ou 5€ à mon compte PayPal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, c'est vraiment pour couvrir, vu que c'est une boîte double, les frais extra encourus. Mais si on dépasse les 10 abonnés, les inscriptions, je les garderai pas pour moi, les 11e ou 12e, 13e. On soustraira les frais de shipping si c'est quelqu'un à l'extérieur de Montréal qui gagne, ou on essaiera d'inclure quelques trucs de plus si c'est quelqu'un à Montréal qui gagne. Ceux qui veulent s'inscrire, je ferai un post sur le groupe Romero Box Marvel vs DC, un post où est-ce que je donnerai mon adresse courriel pour le PayPal. Je ne sais pas encore si je devrais aller chercher un article bonus. Dites-moi là, s'il te plaît, au moment de vous inscrire, j'ai envoyé les 5$, 5€, et je suis pour un article bonus. L'article bonus, normalement, ça vient de mes poches, rarement d'un collaborateur. Dans ce cas-ci, ça viendrait de mes poches. Donc, si vous voulez un article bonus, il se peut, je vous demande une collaboration extra pour participer à l'article bonus. Vu que ça viendrait de mes poches, j'essaierai d'inclure deux exemplaires du même article, mais un DC, un Marvel. Donc, dites-moi tout ça en vous inscrivant au giveaway. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un petit pouce bleu, souscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine!